Le Front commun met en place son ultimatum. Donc, il n'y a pas de bluff. S'il faut y aller, on va y aller. Mais on dirait que le gouvernement, c'est ce qu'il veut. Il veut nous emmener à la grève générale illimitée. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il va avoir. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Là, l'heure est grave. Tout le monde veut une entente de principe avant Noël. Ils maintiennent que s'il n'y a pas d'entente d'ici 2024, les écoles, les cégeps seront fermés, les activités du réseau de la santé et du gouvernement tourneront au ralenti. Maintenant, c'est à nous de voir quand. Et ce quand-là, bien, présentement, on ne peut pas vous le dire parce que est-ce qu'on négocie? Oui. Est-ce que la fréquence a été augmentée dans les dernières semaines? La réponse est oui. Est-ce que c'est au niveau qu'on souhaite? Pas encore, mais on peut y arriver. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans les prochaines heures. Ils accusent le gouvernement de faire une négociation à sens unique. Nos priorités et les leurs. La voie de passage est entre les deux. Là, présentement, ce qu'on cherche à faire dans la majorité des tables de la part du gouvernement, c'est laisser de côté les priorités syndicales et trouver une voie de passage sur leurs priorités. Ça ne peut pas arriver. Une flexibilité négociée de part et d'autre, on est capable de le faire, j'en suis convaincu. Alors là, ce qu'on demande, c'est une négociation intensive. Présentez-vous aux tables de négociation. Sur une échelle de 1 à 10, sont-ils près d'une entente? Je vous dirais que c'est sectoriel, on est peut-être à 5. Et à table centrale, on est peut-être à 6,5. Donc, on est loin d'une entente. Mais c'est le genre de choses qui peut se régler, comme on l'a dit tantôt, aux tables, en 48 heures, en 72 heures. Mais la volonté doit être là. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on sent qu'ils sont de bonne foi? Est-ce qu'on progresse dans la bonne direction? Et si c'est le cas, ben on ne déclenchera pas une grève pour déclencher une grève. Ils préviennent. On ne va pas rentrer à genoux, on ne va pas revenir au travail et on ne va pas accepter des conditions qui ne vont pas améliorer le sort de tout le monde. On n'est pas ici dans un jeu d'échecs, on n'est plus là, là. Là, ça prend une entente. Les membres de la FAE ont occupé des locaux, bloqué l'accès au ministère de l'Éducation, alors que leurs représentants syndicaux réunis en instance analysaient la dernière proposition du gouvernement. Le premier ministre, lui, discutait avec son ministre de l'Éducation, entre autres des moyens pour alléger la tâche des enseignants dans les classes, où il y a plus d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. On a de grands reculs. Mercredi, la FSE-CSQ y est allée de nouvelles propositions pour dénouer l'impasse sur la composition de la classe et l'allègement de la tâche des enseignantes. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.